I need a tropical bitch. 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 Hey, I need a tropical bitch. Salut tout le monde, moi c'est Patricia, mais ou pas Pépi, pas tout ou pas toche, c'est comme vous voulez. Le site Black and White Beauty m'a contactée pour que je puisse tester leurs mèches crochet braids. Ils m'ont gracieusement envoyé 4 paquets de leurs mèches frisette queen. Moi j'ai pris le coloris 1B, donc c'est noir, classique, le paquet se présente comme ça. J'ai décidé de faire une perruque, je voulais pas faire des crochet braids classique parce que du coup les mèches après on les jette et j'avais pas trop envie de gaspiller ces mèches, donc du coup j'ai décidé d'en faire une perruque. J'ai utilisé 2 paquets et demi parce que je voulais pas que ce soit trop trop touffu, trop volumineux, je voulais que ça fasse assez naturel, et là je trouve que ça fait assez naturel, même très naturel. Pour ceux qui connaissent pas le site Black and White Beauty, je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Ils vendent énormément de produits capillaires. Il y a du Shea Moisture, il y a du Cantu, il y a du Design Essential, il y a du Activilon. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de marques disponibles sur leur site. Ils vendent également des extensions et ils vendent beaucoup de perruques aussi à des prix très 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 abordables. Donc du coup, je vous invite vraiment à faire un tour sur leur site. En ce qui concerne ces mèches, j'ai un code promo pour vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boîte de description. Info pratique, je vous conseille vraiment d'acheter une tête en polystyrène là pour faire la confection de votre perruque, parce que moi c'était pas du tout une tête que j'ai utilisée. J'avais acheté un support pour mes perruques et du coup j'avais la flemme d'acheter une tête juste pour faire cette perruque. Donc du coup j'ai utilisé le support, mais c'était un peu galère. Donc vraiment il faut une tête en polystyrène pour faire une perruque. C'est la suite de la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma nouvelle coupe. Et je vous fais plein de gros bisous. La confection de ma perruque, j'ai utilisé 2 bonnets à perruque en résine, un crochet, 2 paquets et demi de mèches et enfin un support. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué de placer les bonnets vu que le support il est ni rond ni ovale, je sais pas, c'est un peu carré, bizarre, et personne n'était carré, donc du coup c'était un peu compliqué, mais j'ai fini par réussir. Je passe le crochet entre les mailles du bonnet, puis je prends une mèche et je fais un nœud. Tout simple. Comme je vous ai dit, c'était assez compliqué pour moi de travailler sur le support, donc du coup j'ai décidé de mettre la perruque et de continuer à placer les mèches directement sur ma tête. J'adore le résultat, je trouve que ça fait vraiment ultra naturel, j'aime énormément. Je pense que je vais la porter tout l'hiver cette perruque. Et voilà le résultat final. C'est ultra léger, j'ai vraiment pas du tout l'impression d'avoir quelque chose sur ma tête. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si c'est le cas. Suivez-moi sur Instagram et moi je vous fais plein de gros bisous.
I need a spice girl. Ziggy ziggy, I fuck up my whole world. Posh when she talk, nothing like old girl. Scary and sporty. Tell her what I want, what I really, really want is a spice girl. Ziggy ziggy, I fuck up my whole world. Posh when she talk, nothing like old girl. Scary and sporty. Tell her what I want, what I really, really want.